Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon, alors tout d'abord, je vous souhaite une excellente année pour cette année 2024. Bon, aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu particulière. On a décidé avec mon pote Marc, salut Marc. Salut, salut. On a décidé d'aller voir le terril d'Alex. En fait, le terril d'Alex. Alors pardon, j'ai eu une petite coupure. Les terrils d'Alès, en fait, ce sont des... Vas-y, Marc, dis-le. Ce sont des déchets de charbon qui ont été accumulés, hein, par les mineurs avec, au fur et à mesure des années et des années, des décennies. Et après, ça fait une grosse montagne. Ah ouais, d'accord, ça fait une grosse montagne. Qui fume encore de temps en temps. Ouais, d'accord, ok. Mais de toute façon, si je trouve une description, je vous la mettrai, hein, comme d'habitude. Des fois, bien souvent, je mets des descriptions, hein, sous les vidéos. Hein. Voilà, bon, là, on se dirige vers Alès. Ouais, ça change un petit peu. Hein. On va aller voir. Et toi, Marc, c'est pareil, tu connais pas le coin. Non, je suis jamais allé. Eh ben voilà, ça fera une première pour toi. Et... Je voulais vraiment, depuis des années, y aller, tu vois. En plus, ouais. De l'occasion que tu sois là. C'est cool, c'est super sympa. Avec plaisir. C'est super sympa, Marc. Depuis, ouais, on a regardé un peu sur Internet, c'est vrai, ça ressemble vraiment à une montagne. Ah, ouais. Mais bon, mais il paraît en 2004, ça a fumé, quoi. C'est drôle quand même. Hein. Mais bon, voilà, quoi. Bon, de toute façon, on vous reprend un peu plus loin. Et voilà, quoi. Tiens, je vous ferai un peu la route, c'est joli, là. Ah, ouais, c'est magnifique. Je sais pas, ça se voit pas, là, les montagnes sur le capteur, là. Bizarre, hein. Allez, on trace de toute façon, là, on se dirige vers Alès, hein. On part d'Anduze, quoi. Allez, à tout à l'heure. Allez, de retour, on s'y approche, regardez, c'est ça en fait, cette montagne, le terril. Enfin, c'est du charbon, quoi. Ah ouais, c'est impressionnant, je pense pas qu'on puisse monter en fait. Je sais pas. Bon, on va voir, de toute façon, on s'approche. Ouais, on le voit là, de toute façon. Ouais, on a pris le, on s'est servi du GPS. Là. Ah ouais, c'est une, on dirait de la terre quand même, hein, c'est drôle. Hein. Ça, de la, ça a la couleur de la terre, au moins, j'aurais pu en parler. Moi. Ouais, incroyable. Hein. Bon, là, ça monte, l'air de rien. Hein. Allez, on va s'approcher. Ça y est, on y est, là. On est au pied. Là. Voilà à quoi ça ressemble, on dirait une montagne. Mais t'as vu, on dirait de la pierre, hein, Marc. Ah oui, enfin, de la terre, pardon. C'est un truc de fou, hein. Ça, ça ressemble pas à du charbon. Hein. Mais c'était galère pour trouver quand même. Ouais, un peu. En fait, on est d'aller haut d'Alès, là. Ben c'est dommage, il y a une belle vue, mais on voit pas, là, on est caché par les arbres, là. Il y a une belle vue, là. Peut-être que ça sera mieux de là-bas. Allez, on va s'approcher. Oh, tu te rends compte, toutes les brouettes qu'il faut, là, pour faire une montagne comme ça. Il y a fallu des brouettes, putain. C'est clair. Mais par contre, c'est vrai, le GPS, je le redis, mais il était dans les choux. Hein. Il nous fait prendre à droite, à gauche, à droite. T'as vu, il nous a demandé de tourner là, mais il y a la barrière. Là. On va passer, il doit y avoir un sentier. Là. Ah ouais, on voit mieux. Là. Bonjour la pollution quand même. Allez, de retour en fait, ouais, c'était bien là. Il y a un sentier en fait. Voilà, ça se trouve, ça en est là, du terril. Ouais. Voilà, la dame, elle nous a dit qu'il y avait des sentiers, c'est ça, comme, ouais. Des petites balades à faire. Ouais, on va monter. Ouais, on va monter. Ouais, ça doit être à gauche là. Ouais, effectivement, là, ouais. C'est pas de la terre. C'est noir. C'est noir, là.
Ben oui, c'était une bonne idée, ça change un peu. Ça change un peu. Ouais, ça fait une balade en plus. C'est terrible. On passe par là ou quoi? Tiens, je vous montre un peu le coin. C'est haut en plus. Hein. Ah ouais. Je sais pas comment elle fait cette montagne de hauteur. Mais... accès interdit au public, tu vois. Là, ouais, on peut marcher, mais pas là-bas. Ah ouais, c'est haut. Hein. Ouais, c'est cool. C'est calme. Ouais, ça sent bizarre. Hein. Ouais. Ça sent le charbon. Un peu, c'est vrai. C'est vrai, hein. Bah, ça sent bizarre. Ouais, ça fait une petite randonnée. Ouais, un petit bout, hein. Ça, ça monte, hein. Un peu, ouais. Ouais, ça contourne, en fait. J'ai l'impression. Ouais, c'est joli. Au point, le soleil. C'est vrai qu'il fait une belle journée aujourd'hui. Ça mène. Hein. Allez, à tout à l'heure. Allez, de retour, pour ça essouffle. Hein. Regardez. On va passer par là avec Marc. Vous voyez une super vue. Hein. Allez, est-ce vue d'en bas, d'en haut, pardon. Ah, mais t'as vu, il y a une route là. Ah ouais. Il y a un chemin là. Il y a un joli cadre aussi. Hein. Ouais. Où? Ah, ça c'est le cadre. Ah, ça c'est un cadre. Ah ouais, d'accord. Parce qu'il y en a plein ici, hein, dans les Cévennes, ah, des cadres. C'est la folie. Bah, en plus, on a de la chance, il fait beau. Hein. Ah, allez, on va passer par là. Je sais pas si c'est interdit, mais bon. Non, je pense pas. Ça c'est clôturé. Oh, le terril, on y est, on est au pied. On dirait vraiment de la terre, c'est ça qui me fait halluciner. Moi. Voilà. Le vent aussi, ça s'est déposé, tu vois. Voilà, on est au pied. Hein. Ah ouais, c'est beau là. Oh. Il n'y a pas grand chose qui pousse. Alors, remarque, il y a eu des arbres. Oh, vous allez voir cette vue, ouais. Oh, c'est beau. Hein. Oh, tu sais quoi, j'aurais presque envie de monter tout en haut. Là. Mais c'est raide. Hein. Regardez, j'aurais dû prendre la sangle et la mettre sur la tête. Hein. C'est raide, c'est sûr. Ouais, c'est raide quand même. Hein. Ouais, il y a moyen de monter. Là. Que c'est beau, oh, t'as vu la vue là, oh, c'est joli, hein. Sympa cette montagne bien mystérieuse. C'est vrai, de loin on croit que c'est une montagne, hein. C'est fou quand même, hein. Si là tu vois, on en voit du charbon, regarde, charbon. En parlant de charbon, la Pologne c'est le plus qui pollue en Europe. Eux ils servent du charbon. Tiens, on peut faire le tour. Là c'est bien raide là, de ce côté. Là. Moi tu sais quoi Marc, j'ai pas les chaussures, je pourrais pas monter. Hein. Tu te sens toi de monter là, de filmer de là-haut? Tiens, je vais voir un truc. Mais vas-y, vas-y, je vais peut-être te suivre. Mais j'ai encore pris mes baskets. Je pensais pas que ça allait monter autant. Là, je sais pas, mais c'est raide. Pas intérêt de tomber. Là. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. S'il y a moyen quand même de monter, mais bon, faut que je pose la caméra, quoi. Ah ouais, à l'aise, on voit bien. Ouais, c'est un peu une cuvette. Ouais, c'est joli quand même.
Tiens, on ne voit pas le Mont Ventoux là, là c'est couvert. C'est par là-bas le Ventoux, mais il y a des nuages. Super. Ben Marc, il est en train de monter. Ah, c'est raide. Ben, je sais pas si on a le droit hein, de monter, Marc. Faut des bâtons. Moi, je n'ai pas de bâton. En plus, j'ai pas les chaussures pour. Bon, écoutez, je vais couper. Je vais essayer de monter, vous faire voir de là-haut, mais c'est raide. Je vais ranger la caméra et je vais rattraper Marc. Si je vois que ça glisse trop, j'essaye pas. Cela, vous vous rendez pas compte à la caméra, mais c'est comme ça. D'ailleurs, il a pris des bâtons, Marc. Et c'est vrai qu'il y a une sacrée vue, là. Jolie vue. Ah mince, j'aurais dû prendre mes chaussures de rando. Allez, je coupe, à tout à l'heure. Je vous garantis rien, je vais essayer de monter, mais bon, à tout à l'heure. Allez, allez, de retour, regardez, j'ai monté un petit peu, mais Marc, il est allé jusqu'en haut, ça fume là-haut. Et ça sent mauvais, hein, c'est ça? Ouais, ça sent mauvais, ça fume. J'ai commencé à avoir les chaussures qui brûlaient, j'ai dit on arrête. Puis là, ça pue, hein, finalement, ouais, ce truc. Ça sent le charbon, quoi. Il y a une belle pierre volcanique, hein. Ouais, 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 fais gaffe, hein. Tu devrais passer par là où je suis passé, c'est moins raide. Ouais. Voilà, j'ai monté un bon petit bout, hein. Mais je suis allé jusque là, aux branches, là. Mais ouais. Ça se voit pas. J'ai arrêté après, elle glisse trop, mes chaussures. Ouais, mais prends-la, ouais, je vais la prendre. Tu la prends? Ah, ouais. C'est du charbon, ouais, ben oui, je suis con. Quelle, je suis bête. Bon, en plus, on n'a pas le droit de monter, c'est pas malin ce qu'on fait, c'est vrai. On n'a pas le droit de monter. Et c'est raide, hein. Oh là là, je vous garantis, quoi, la vue elle est belle. Hein. T'as vu le Ventoux, il est caché par les nuages, on le voit pas. Là. On le voit normalement, le Ventoux d'ici. Hein. Bon, allez, je vais descendre doucement. Là. Je vais remettre la caméra dans le sac. Doucement, ouais, doucement, mais sûrement. Mais c'est mieux par là, au moins, si on glisse, tu vois, ça retiendra un peu le charbon. Mais c'est vrai que c'est à voir, ce coin. Alors, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a cette belle nature. Et ça, cette montagne qui est... Enfin, voilà, quoi. C'est fou. Ouais, ça fume encore. Ah, ça fume là-haut. Ouais, 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 je te crois. Hein. Mais ça sent, hein. Ouais, je le sens, hein. Ça sent le charbon. Au pauvre. Bon, allez, de retour, ouais, en fait, pour info, ça fait 60 ans qu'ils ont arrêté. Et là-haut, ça fume encore. Et quand je suis descendu, c'est chaud dessous. Vous vous rendez compte? C'est quand même, fait voir. Et regardez comment ça devient, c'est par rapport à quoi ça? Ça, c'est le charbon qui s'est calciné en pierre. Ah, d'accord, c'est vrai, elle est belle. Hein. C'est vraiment une pierre, quoi. On dirait un météore. Ah ouais, c'est vrai, on dirait un météore. Hein. C'est vrai, hein. C'est fou, c'est, quand même. Hein. Je vais la garder. Hein. Et alors, tu dis que ça fumait là-haut. Ah, tu... là-haut, ça fumait, ouais. J'ai arrêté parce que je me suis dit, je vais me brûler les... Ouais. Je vais me brûler les chaussures, quoi, tu vois. Ben, moi, je le sentais, là, quand je suis descendu, là, vous voyez le bois, là. Je suis descendu sur les fesses, hein, parce que c'est trop raide avec les baskets, là. Et ben, je sentais le chaud sur mes mains, là. D'ailleurs, ouais, ça se voit, là. C'est incroyable, quand même. Enfin, voilà. Je vous remontre cette vue quand même, c'est joli de là. Bon, moi j'aimerais pas habiter là, je vois qu'il y a des habitations. Bonjour, ça me plairait pas moi d'habiter à côté de ce charbon. Ouais, peut-être qu'il y avait moyen de monter de l'autre côté, c'était peut-être moins raide, mais non, non, non. Mais là, j'arrête pas de le dire, des ânerons, on dirait de la terre. Ça ressemble à de la terre des fois. C'est chelou. Ouais, peut-être par là, regarde, il y avait moyen de monter là. Tu vois, il y a une espèce de chemin. Ouais, ça sent, ouais, le sang de là, la fumée. Là. C'est clair que là, on prend pas un bon... on respire pas des bonnes choses, pardon. Ouais, à la limite, on pouvait monter par là, regarde. Bon, après, ce qui se complique, c'est quand tu arrives vers la fin, là, ouais, c'est raide. Hein. C'est encore plus raide. Là. C'est incroyable quand même. Bon, allez,
À tout à l'heure. Le retour, je vais zoomer, ça fume là-haut. Je sais pas si ça se verra avec le téléphone. Ah, je vois pas bien, c'est là où il y a le bâton. Je sais pas si ça se voit, je zoome encore. Hop. Ah oui, ça y est, on voit. Vous voyez que ça fume. Bon, vous vous rendez compte? Ça craint quand même. Si, on voit bien. Là. Ouais, ben Marc, il s'est arrêté là. Moi, je me suis arrêté aux branches. Là, juste là, que je vous fais voir. Je suis pas allé plus haut, parce que bon... Ouais, j'étais pas loin, remarque, de toi. J'étais pas trop loin. Hein. Mais il valait mieux qu'on descende. Et puis, c'est interdit, hein, normalement, de monter. Là. Ouais, ouais, ouais. Bon, mais voilà. C'est ça. Allez, à tout à l'heure. Bon, mais de retour, je vous remonte encore. Là. Ben, c'était à voir quand même cet endroit. C'était à voir. Hein. Vous avez vu, ça fume. Hein. Mais en haut, ça devait fumer un peu plus, même, je pensais, Marc. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est dangereux. Hein. Ouais. Puis, comme je viens d'évoquer tout à l'heure, on n'a pas le droit de monter. Ouais, on est arrivé par là. C'est interdit, là, de monter. Enfin, voilà. Bon, ils sont bien en face, là où il y a la caravane. Là. Eh ben, on est là-bas, nous, en fait. La voiture, elle est garée là-bas. Ouais, là. C'est ça. C'est quoi? Il y a un panneau, on va voir ce que c'est. Je sais pas ce qu'il y a de marqué. Ah, ben voilà. Danger. Bon, vous lirez, je vais pas me mettre à lire. Là. T'as vu, c'est interdit en fait. Ah ouais, on le voit bien. Hein. Ça ressemble à un volcan. Un site dangereux pouvant entraîner de graves blessures. Ah ouais, d'accord. Pour les personnes qui s'aventurent sur celui-ci. De toute façon, ils mettront sur pause. Vous aurez le temps de lire. Générer des crevasses et des poches non visibles en surface. On peut produire des gaz dont l'inhalation peut être dangereuse. Ouais, tu vois, c'est pas bon que ce soit trop large. Faut pas trop respirer là. Eh ouais, c'est fumé, hein. C'est toxique. Hein. Ah, ça porte un nom, hein, le Morricato. Le Morricato? Ouais, c'est le plus vil. Mais t'as vu, là, il y a moyen d'aller se balader, de ces quatre, il faudra qu'on revienne. Ah. Je vois qu'il y a des gens qui se promènent. La prochaine, si tu veux, voilà. Ben, la prochaine fois, on reviendra dans le coin. Enfin, ouais. Ça a l'air d'être sympa, là-bas. Et là, ils disent les trucs clôturés, tu vois, la clôture, elle a pris un coup. Ouais, elle a pris un coup. Bon là, de toute façon, c'était, regarde, c'est le sentier, hein, on a suivi quoi. Voilà, bon, sur ce, ben, je vous souhaite encore une bonne année, hein, et la santé bien sûr, et la santé. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, et merci Marc, encore une fois de plus. Ouais. Hein. Bonne année à vous. Hein. Ouais, c'est cool, et la santé aussi surtout. Hein. La santé, le plus important. Ouais, c'est la plus grande. Tout l'argent du monde. Exactement, c'est la plus grande des richesses. Et je dirais en deuxième, la liberté. Ouais. Liberté, santé et bonheur. Voilà. Allez, je vous laisse. Hashtag le partage sur la vie et la santé aussi. Ciao, l'ami. Eh bien, à bientôt. Bon, ça sera la prochaine fois. On reviendra dans ce coin. Tiens, on va voir ce qu'il y a sur le panneau pour finir. Ouais, il y a plein de... Regarde, tu vois. On va aller voir vite fait. Il y a des itinéraires. Oh, où ça, ce que ça mène. Où ça mène, oh mince. Voilà, par contre, c'est plus nature après. Ouais. Voilà, on y est, nanana. Bon, vous mettrez sur pause. Il y a trop de trucs à lire. Là. Et ça, ça va où là-bas? Ah, Saint-Jean-du-Pin. T'as vu, ça va à Saint-Jean-du-Pin, chapelle de l'Ermitage. Ouais, on se fera ça la prochaine fois que je reviens te voir, si tu veux. Allez, on ira se balader dans les bois. Allez. Ça a l'air d'être bien indiqué, hein. On est quand même à 230 mètres. Hein. Le crassier. Le crassier, tu m'étonnes. Hein. Ouais, c'est la crasse, là, le charbon. Je déconne. Oh. Sympa, sympa le coin. Hein. Bon, allez, on vous laisse cette fois-ci. Allez, ciao, l'ami, je vous laisse sur cette vue. Ciao, ciao.